Demain se prépare aujourd'hui. Tel est le slogan du MPR, le mouvement populaire des radicaux, qui tient ici sa grande déclaration politique. Une déclaration qui intervient après 5 ans d'activité dans la clandestinité, le parti n'étant pas légalisé depuis 2014, date de sa création. Pour son secrétaire général, l'heure est au changement de paradigme. Parti de l'opposition, le MPR se donne désormais pour nouvelle mission l'aide aux personnes en détresse. Nous ne voulons plus faire carrière, permettez-moi l'expression, dans la dénonciation. Le MPR a désormais inscrit son action dans la lutte pour les besoins immédiats des populations. Désormais, nous avons pris le parti de devenir une force de proposition et d'action. Pour le président du mouvement populaire des radicaux, l'entrée de sa formation politique dans la majorité présidentielle s'avère donc capitale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, et pour le bien-être des populations, le MPR décide d'intégrer la majorité présidentielle comme force de proposition et d'action à compter de ce jour. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous, au moins, on a le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas.